Bonsoir, Monsieur Lamoureux. Bonsoir. Alors, comment vous vous expliquez, vous, ce qui se passe actuellement chez Rogers? C'est très difficile à expliquer, disons, c'est à n'y pas comprendre. Quand même, c'est important, une chicane de famille dans une entité comme ça. La famille Rogers est très importante en Ontario depuis longtemps. Oui, la famille Rogers est très importante, mais disons, la structure, disons, comment ils contrôlent la compagnie Rogers avec une fiducie qui contrôle 98%, je pense, des actions votantes. Disons que le président du conseil a pensé que son rôle et que lui avait plein pouvoir pour laisser aller le CEO, le PDG. Mais par contre, le président du conseil, faut pas oublier que c'est juste un autre membre du conseil. Il n'y a pas de pouvoir plus puissant que les autres membres du conseil. Il n'a seulement qu'un vote. Donc, Rogers a été rabroué par le conseil qui comprend deux de ses sœurs et sa mère. Exact. Sa mère s'est opposée à lui. Ses deux sœurs se sont opposées à lui. Donc, dans une entreprise familiale comme ça, et où il y a une fiducie familiale, la famille doit se parler quand même. Est-ce que c'est pas inquiétant de se retrouver dans cette situation-là, dans une entité, dans une entreprise aussi grosse que Rogers? Donc, d'après moi, c'est une chicane de famille. Et disons, on va voir comment ça va se régler. Je ne crois pas que ça peut affecter la compagnie à long terme, mais à court terme, il peut avoir des impacts. Oui, il peut avoir des impacts. Donc, quel type d'impact il pourrait y avoir? Est-ce que la réputation de Rogers est en jeu? Mais disons que la réputation, quand on voit quelque chose comme ça, c'est évident que sa réputation était un peu entachée. Disons qu'on a appris, je crois, cet après-midi, que le PDG, si le changement au conseil se faisait, le PDG est prêt à démissionner. Et il dit que la majorité de son équipe de gestion aussi est prête à démissionner. Donc, ça peut avoir des impacts, disons, à court terme. Est-ce que le PDG fait bien son travail? Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport au PDG, Joe Natale, à la tête de Rogers, qui, je le rappelle, est la plus grande entreprise de télécommunications au Canada? Est-ce qu'il y a un enjeu sur son travail à lui? Il semble faire un très bon ouvrage. Le conseil, en majorité, a approuvé le type de travail qu'il faisait. Il faut se souvenir que M. Rogers était celui qui a été le chercher chez TELUS. Ça leur a coûté très cher parce qu'il y avait une clause de non-compétition avec TELUS. Donc, c'est surprenant de voir que M. Rogers, aujourd'hui, veut le laisser aller. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la transaction qui est en train de se faire, c'est-à-dire l'acquisition de Shaw Communications par Rogers? Non, moi, je douterais pas, disons, je ne crois pas qu'il y a aucun lien de ce côté-là. La famille Shaw semble être heureuse de cette transaction-là. Et ils n'ont émis aucun communiqué de presse laissant savoir qu'ils n'étaient pas contents du travail de M. Natale. Est-ce que ça remet en question la transaction, la chicane des Rogers, vous pensez? Je pense que c'est une bonne transaction. Mais la chicane, à long terme, on ne sait pas ce qui peut arriver. À date, la famille Shaw a approuvé et est au courant de ce qui se passe. Ils disent c'est une chicane familiale. Nous, on ne veut pas s'en mêler, mais on peut voir, on verra ce qui se passe dans le futur. Comment ça va se passer au conseil d'administration? Parce que M. Rogers reste quand même dans le conseil d'administration. Est-ce que ça va être fonctionnel? Ça peut être fonctionnel, mais ça va être assez difficile d'avoir des résolutions passées à l'unanimité, comme souvent ça arrive à un conseil. Je crois que le conseil est divisé en deux clans. Il s'agit de savoir lequel va gagner. Et parce qu'il y aura un gagnant, il y a des gens qui vont finir par partir, c'est ça? Oh, il y a des gens qui vont finir par partir, c'est clair. Ouais. Et M. Rogers peut se trouver comme perdant à long terme, mais on verra. Est-ce que l'entreprise doit revoir sa gouvernance? Donc,
Évidemment, disons, comme un investisseur institutionnel, on n'était pas content de la gouvernance. Il ne faut pas oublier que 98 % des votes sont contrôlés par la famille. Mais tous les investisseurs savent ça lorsqu'ils investissent dans Rogers. À date, ça n'a pas été un obstacle, mais on verra ce qui va se passer dans le futur. Avec votre longue expérience, M. Lamoureux, avez-vous déjà vu une affaire comme ça? Moi, j'en ai jamais vu une affaire comme ça et j'ai parlé à un de mes amis avocats qui est très expérimenté, qui a participé à plusieurs de ces chicanes-là. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça et même le genre de processus qu'on voit actuellement. Donc, c'est toute une saga. Il y aura peut-être un film un de ces jours sur la famille Rogers. Imbroglio. Oui, exactement. Merci, M. Lamoureux, d'avoir été avec nous ce soir. Bienvenue. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.